La ville avait été libérée une première fois par les troupes FFI et un détachement américain le 23 août 1944. Mais les troupes occupantes étaient restées dans la forêt autour de la ville. À partir du 28 août au soir, les troupes allemandes voulurent reprendre la ville. Leurs bombardements firent de nombreuses victimes civiles. Le 29, la ville était à nouveau sous contrôle allemand. À partir du 5 septembre, les troupes FFI aidées par les troupes françaises venues d'Afrique du Nord, la 2e division d'infanterie marocaine et le régiment des tirailleurs marocains s'organisèrent en deux groupes pour reprendre la ville. Le 6 septembre au matin, les troupes allemandes furent obligées de se réfugier dans le fort du château. Des soldats du régiment des tirailleurs marocains et des FFI attaquèrent le fort et le prirent d'assaut. Le fort des têtes fut repris également. Plusieurs soldats furent tués. L'aspirant Jean, le caporal Amou Ben Abdeselem, Brahim Ben Barek, le caporal Mohamed Ben Kahal, Boutar Ben Kadour, Noumia Habib.